Bonjour à vous deux. Bonjour. On va continuer notre étude de la parole de Dieu. La dernière fois, on a conclu le livre de Job. Oui. Aujourd'hui, on va regarder d'où vient le mal. On est en train de regarder en réalité tout ce qui concerne la situation humaine, le mal, la souffrance, le péché, la mort, pour savoir exactement quel est notre diagnostic et découvrir le remède après. Donc on va prier ensemble. Oui. Tu veux prier avec nous avant qu'on commence? D'accord. Père Céleste, nous te remercions de nous permettre d'ouvrir ta parole et afin d'aller trouver des réponses, Seigneur, sur des questions qu'on se pose tous, dont aujourd'hui nous vient le mal. Alors guide-nous à travers notre étude, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien. Alors j'aimerais commencer avec un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, où Jésus donne une carte d'identité du diable, de l'ennemi, d'une façon très claire. On ne peut pas se tromper, le problème est vite résolu. Jésus est en contestation avec les gens de son temps, et dans l'évangile selon Jean, au chapitre 8, il va dire exactement ce qu'il en est au verset 44. Jean 8, verset 44, si tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît. Oui. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Merci. Jésus est vraiment direct là. Ça commence raide, oui. Ça commence raide et il s'adresse à des gens de son peuple. Je pourrais presque dire, il parle à l'Église là. Oui, oui. Et il dit, vous avez pour père le diable. Ce n'est pas exactement un compliment, ça. Alors, il va dire qui est le diable. Vous avez vu dans ce texte, il y a deux caractéristiques principales. Il est... Menteur. Il est menteur, le père du mensonge, et il est... Meurtrier. Voilà les deux caractéristiques que Jésus donne par rapport au diable. Meurtrier et menteur depuis le début. Donc, on n'a rien à attendre de bon de ce côté-là. Voici donc les deux caractéristiques qui sont données par Jésus concernant Satan. Dans la première épître de Jean, Jean va encore préciser la chose au chapitre 3 et au verset 8. Jean, chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, pardon, première épître de Jean, chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Merci. Dans ce texte, on a déjà l'approche de la solution en Jésus, mais je voulais simplement souligner le fait que le diable pêche dès le commencement. Voilà le personnage auquel on a affaire. Remarquez bien une chose, c'est que Jésus ne présente pas le mal comme une puissance. C'est une personne qui a démarré ça et qui a étendu son influence. Le mal, la Bible ne connaît pas le Dieu du bien ou le Dieu du mal. Il y a Dieu et il y a l'ennemi qui est une créature. La Bible ne connaît pas l'influence du bien ou l'influence du mal. Ce n'est pas des puissances, ce sont des personnes. Et pour résoudre le problème du mal qui est dans une personne, Jésus va utiliser une personne, lui-même, pour résoudre le problème du mal. Donc ce ne sont pas des énergies, ce ne sont pas des influences, ce ne sont pas des puissances, ce ne sont pas des choses qui intouchables, qui volent et qu'on essaie d'attraper, des énergies, ce sont des personnes. Cette façon-là de voir le mal et le bien est quelque chose qui est très répandu dans beaucoup de croyances. Et Oui, ça vient des religions païennes en réalité, ça s'est infiltré dans le christianisme. Ça se retrouve aujourd'hui dans tout ce qui est du Nouvel Âge, ou à peu près, et qui a mis de côté le Sauveur comme une personne. Et il y a dans cette conception païenne l'idée que l'homme est un Dieu tombé du ciel qui se souvient du ciel. Il y a au fond de nous une énergie, une étincelle divine qu'il va falloir amplifier, faire s'épanouir. Et pour ça, on a besoin des énergies, etc. Ça, c'est une conception païenne, ce n'est pas une conception biblique. Ni du mal, ni du bien, ni du salut, d'ailleurs. Parce qu'on retombe facilement là avec
le salut par nos œuvres. Nous-mêmes, on est notre propre sauveur. La Bible n'en parle pas de cette façon-là du tout. Du tout. Et c'est effectivement une idée qui s'infiltre dans le monde d'aujourd'hui, même dans le christianisme d'aujourd'hui. Dieu est une personne, le diable est une personne, et nous serons sauvés par une personne. Que l'on va d'ailleurs retrouver dans l'Apocalypse, ça prend une forme très, très concrète, bien qu'on ait là, au chapitre 12 de l'Apocalypse, un anthropomorphisme, si on veut, c'est-à-dire une forme humaine d'exprimer les choses, mais c'est quand même assez clair. Apocalypse chapitre 12, on va lire le verset 7 à 9. Alain, si tu veux bien nous lire ça. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Merci. Alors, comment la guerre se passe dans le ciel? On n'en sait rien, mais une guerre, on sait ce que c'est. Il y a eu guerre et on dit qu'elle a, d'un côté, il y a Michael et ses anges. Michael, ça veut dire quoi? Michel. Quel est le sens de ce nom-là? Un nom terrible à porter, d'ailleurs. Ah oui? Vous vous souvenez? Ce qui est comme Dieu, c'est... Oui. Oui. Semblable à Dieu, identique à Dieu, semblable à Dieu. Alors, c'est un nom extrêmement difficile à porter, parce qu'il n'y en a qu'un qui peut porter ce nom-là, c'est Jésus. C'est Jésus, ouais. Parce qu'il est divin. D'un côté, Jésus et ses anges, de l'autre côté, on a tous les noms du diable qui sont déclinés ici, le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre et ses anges. Et un conflit dans le ciel. Tous ces appellations-là, on parle de la même personne. On parle de la même personne, qui est désignée d'un nom ou d'un autre, suivant là où on va lire, mais la même personne. Le serpent ancien fait référence à quoi? On retrouve dans la Genèse, lors de la tentation d'Adam. Exactement. Le serpent ancien nous ramène dans la Genèse. Avant d'aller dans la Genèse, on va regarder d'autres textes qui vont nous aider à comprendre ce qui s'est passé un petit peu dans le ciel. Ce sont deux textes qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Un qui se trouve dans Ézéchiel, chapitre 28. C'est un texte intéressant parce qu'il est adressé au roi de Tyr. Tyr est une ville, Tyr et Sidon, sur la côte de la Méditerranée. Et ici, le prophète Ézéchiel reçoit de Dieu un message pour le roi de Tyr. On va lire un extrait ou deux. Mais on se rend compte qu'il parle de quelqu'un qui est beaucoup plus que le roi de Tyr. Il y a derrière le roi de Tyr son maître à penser et qui nous dévoile l'identité, le problème de celui qui est derrière lui. Alors on va lire quelques passages. Pour commencer, Ézéchiel 28, on va lire le verset 2, si tu veux bien nous lire le verset 2. Le verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Merci. Alors voilà le problème de cet homme qui n'est pas rare parce que les rois d'autrefois, les potentats et peut-être même encore ceux d'aujourd'hui se prennent pour Dieu. Et c'était une manière de tenir leur population et d'imposer l'adoration. Mais dans le reste du texte, on va se rendre compte que ça va plus loin que ça. Je suis Dieu et je prends ma volonté pour la volonté de Dieu. Je veux prendre la place de Dieu. On peut faire juste une allusion à ce texte de la Genèse. Vous vous souvenez que le serpent disait à Ève, vous serez comme Dieu. Comme Dieu. On retrouve ça ici de la même manière. On va lire un petit peu plus loin dans ce texte destiné au roi de Tyr. Si tu veux bien nous lire, Chani, le verset 12. Il est écrit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. »
Et le texte continue en disant, tu étais en Éden, verset 13, le jardin de Dieu, couvert de toute espèce de pierres précieuses, etc. Alors, il dit, voilà, tu étais parfait, plein de sagesse, plein de beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alors, est-ce que cet Éden-là, c'est l'Éden dont il est question dans Genèse chapitre 2? C'est ce que je me demande, parce que en Éden, on le retrouve, mais sous forme de serpent et non voilà. Comme un être exactement. Merveilleux. Dans le jardin d'Éden, il est plus parfait en beauté non. Et en sagesse, etc. Ouais. Donc cet Éden-là doit être un autre Éden. Mm-hmm. Il est appelé ici le jardin de Dieu. De Dieu, oui. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Dans le ciel. Il n'y a pas de choix. Ouais. Et ça nous amène à quelque chose que l'on ne va pas décortiquer trop en détail maintenant, c'est que le temple a commencé dans le ciel. Oui, et le premier temple qui va être sur terre va être le jardin d'Éden. Le rôle d'ailleurs que Adam et Ève vont recevoir de la part de Dieu va être exprimé par deux verbes que l'on va retrouver tout à l'heure et qui sont exactement les mêmes mots qui sont utilisés pour les prêtres dans le temple de Jérusalem. Donc Adam et Ève se trouvent ici être dans le jardin d'Éden. Et vous vous souvenez, quand ils ont péché, ils ont été mis à la porte du jardin. Ils ne pouvaient plus être dans le temple parce qu'ils étaient pécheurs. Donc le premier temple sur terre, c'est le jardin d'Éden. À l'image de la maison de Dieu, du temple de Dieu dans le ciel. Okay. Donc ici, l'Éden n'est pas l'Éden terrestre, mais c'est l'Éden céleste où ce personnage était parfait en beauté, en sagesse, etc. Alors, on va lire, si tu veux bien, la dernière phrase, la dernière phrase du verset 13. Il y a là une liste de pierres précieuses qui sont mentionnées. Et puis, après l'or, qu'est-ce qu'il est dit à la fin du verset 13, le verset 14 et le verset 15, si tu veux bien. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Merci. À deux reprises dans ce passage, il y a une indication extrêmement importante qui nous est donnée, préparée depuis le jour où tu fus créé. C'est une créature. Cette créature qui est dans le ciel a probablement oublié qu'elle était créature, elle a voulu se prendre pour Dieu, deux fois, depuis le jour où tu fus créé. Il n'y a pas le Dieu du bien et le Dieu du mal, il y a Dieu et une créature qui a mal tourné. Donc déjà, dès le départ, on est rassuré dans un sens, parce que on ne va pas avoir, comme dans la mythologie ou comme dans les religions païennes, un combat entre le Dieu du bien et le Dieu du mal, et on ne va jamais savoir lequel est le plus fort. Ouais. Dieu est Dieu, et l'ennemi est une créature. Ça fait déjà une différence colossale, parce que seul Dieu est Dieu. Et ça semble une créature qui avait une grande puissance, un chérubin protecteur aux ailes déployées, ça laisse entendre que... Alors, chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. C'est un être qui a, dans le ciel, un rang élevé, qui est tout près de Dieu. Et il nous est dit que tout allait bien jusqu'au jour où il a fabriqué en lui le mal. Et on apprend, si tu veux nous lire le verset 16 et 17, d'où ça vient. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi.
Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Mm-hmm. Alors, on a ici le parcours de cet être extraordinaire près de Dieu, mm-hmm. qui a un rôle important. Le texte nous dit qu'il avait à son service tout un tas d'êtres qui jouaient de la musique, des gens qui étaient à son service. Et puis, tout d'un coup, le mal est rentré en lui, la violence, à cause de son orgueil. Son cœur s'est élevé, s'est corrompu. Et finalement, à cause de ça, il va être détruit. Alors, on se rend compte que derrière le roi de Tyr, il y a cet être céleste qui l'inspire, probablement, comme tous ceux qui se prennent pour Dieu sur la terre, à dire « Je suis Dieu, et ma volonté va remplacer la volonté de Dieu. » Point. C'est ce qui a causé le problème au départ. Où cet être créé a dit, mais moi aussi je peux être Dieu après tout. Il avait une grande puissance, il s'est dit, mais moi aussi je peux être Dieu. Et à partir du moment où on devient en concurrence avec Dieu, on est séparé de Dieu, c'est la mort. La vie n'est qu'en Dieu. Mais pas ailleurs. Mais il est toujours vivant. Mais il est toujours vivant. Il est dans son temps de grâce, si je puis dire, jusqu'à ce que on ait fait la démonstration devant l'univers entier de la situation réelle de ce menteur et de ce meurtrier. Alors, on va regarder un texte similaire dans Ésaïe, au chapitre 14, où on va avoir encore là quelques indications sur ce personnage-là. Ésaïe, chapitre 14. Ici, on a un texte qui est aussi très symptomatique parce qu'il fait suite au chapitre 13. Et le chapitre 13, c'est un oracle de Dieu sur Babylone. Et vous vous souvenez sans aucun doute que dans toutes les Écritures, Babylone, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une institution, c'est un peuple, c'est une ville qui est contre Dieu. Oui. Babylone, c'est toujours contre Dieu. Mmh. Et on va voir Babylone jusque dans l'Apocalypse, comme étant l'anti-Dieu. On a donc un texte au chapitre 13 qui annonce la destruction totale de Babylone. Et au chapitre 14, il y a un texte qui est destiné au roi de Babylone. Et dans ce texte, comme c'était le cas tout à l'heure dans Ézéchiel, on a un passage qui ne peut pas correspondre au roi de Babylone. C'est beaucoup plus large que ça. On se rend compte que ce passage contient des indications concernant celui qui est encore derrière le roi de Babylone. Et on va lire, si tu veux bien, Chani, nous lire le verset 12 à 15. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Merci beaucoup. Alors, te voilà tombé du ciel. Le roi de Babylone, il n'est pas tombé du ciel. C'est quelqu'un d'autre. Ouais. Astre brillant, dans la traduction en latin de ce texte, on a là la source d'un nom de Satan, porteur de lumière. Et porteur de lumière, ça se dit Lucifer. Lucifer, oui. Luciferos. Alors, c'est une signification superbe. Hein, si un jour tu as des enfants que tu ne sais pas comment les appeler, porteur de lumière, tu vois, c'est un peu comme aujourd'hui, il y a peu de gens qui s'appellent Adolphe, et pour cause. Mais la signification est belle, mais avec le temps, c'est devenu un véritable nom maudit. Mais il était astre brillant, fils de l'aurore, tu as abattu à terre. Donc, si je comprends bien, Babylone, ça serait au sens contre Dieu et le roi, donc le chef de cette rébellion-là. On est beaucoup plus large, comme vous l'avez dit. Oui. Et on retrouve ça d'ailleurs dans les Écritures, parce que tout le livre de Daniel est destiné à nous faire connaître l'identité de Babylone, parce que ça se passe à Babylone. Et d'un côté, on a Babylone, le roi de Babylone, ou les rois qui ont régné à Babylone, et on a Daniel de l'autre côté.
On retrouve dans le livre de Daniel ce conflit-là, et l'identité de Babylone est déclinée au travers de tous les événements qui sont racontés concernant Babylone. Mais ça, c'est de l'histoire à venir. Mais on voit, on voit ici, quand il dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu », il était déjà au-dessus beaucoup des autres anges, comme on a vu tout à l'heure. Et, oui. Il manquait juste une étape, c'était d'être égal à Dieu au-dessus de Dieu. Mais regarde bien, c'est au verset 14. 14, oui. Oui. Je monterai sur le sommet des nues. Oh, OK. Je serai semblable au Très-Haut. Ah, mais on a déjà vu tout à l'heure. Sa vision, semblable au Très-Haut, c'est la signification de quel nom? Ah, Michael. Michael. OK. Donc on se rend compte ici que le diable, le serpent ancien, Satan, Lucifer, a un problème avec celui qui est identique à Dieu. Ouais. Il voulait la place de Jésus. Okay. Et on se rend compte dans l'Apocalypse que c'est avec Jésus qu'il a un conflit, avec Michael justement. Il ne peut pas supporter de ne pas être divin. Et là encore, il va finir dans les profondeurs de la fosse. Et on retrouve là ce personnage qui dit « Je veux être Dieu ». Chaque fois que l'être humain part dans cette direction-là, il suit les traces de Lucifer. Les commandements de Dieu commencent dans le livre de l'Exode par le fait qu'il y a un seul, puis il n'y en a pas 36. Et que la vie est en lui. Donc si je veux prendre la place de Dieu, si je veux me substituer à Dieu, je suis d'emblée condamné à mort. Et c'est ce qui arrive évidemment pour lui, et le texte qu'on a lu tout à l'heure nous disait qu'il ne sera plus à jamais. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, le mal ne va pas perdurer au travers de l'éternité en concurrence avec Dieu. Il y a un moment où Dieu va mettre les choses au clair. Alors, ce personnage-là qui est tombé du ciel, on va le retrouver où? On va le retrouver au début de l'histoire, dans le livre de la Genèse, malheureusement. On va le retrouver dans la Genèse, on va le retrouver sous une forme particulière, séduisante. On ne sait pas comment ce serpent était, mais il avait l'air d'être pas un animal aussi dégoûtant que les serpents d'aujourd'hui. Encore qu'il y a des gens qui trouvent ça intéressant, moi pas. Mais on a ce texte de la chute de l'être humain au chapitre 3 de la Genèse. On ne va peut-être pas lire le tout, mais on va commencer au verset 2 jusqu'au verset 5, si tu veux bien lire, Alain. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Merci. Alors, Satan s'est présenté comme un serpent séduisant qui parle en plus et qui dit, « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Vous mangerez aucun fruit. Et Ève lui répond, oui, on mange des fruits, mais celui-là, on ne peut pas. Et Dieu avait dit clairement, on se réfère maintenant au chapitre 2, un petit peu avant, chapitre 2, verset 17, si tu veux bien nous lire ça, les indications que Dieu avait données. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, le texte va beaucoup plus fort que ça. Dieu, si on prend littéralement ce qui est écrit dans le texte, Dieu lui dit « tu mourras de mort ». Pour nous, en français, c'est une répétition. Mais c'est pour indiquer qu'il s'agit là d'une mort qui n'est pas, oui, certaine, définitive, et qui n'est pas la mort dont on va parler dans les études suivantes, qui sera comparée à un sommeil. « Tu mourras de mort ». Mout à mout. Mon texte dit « tu mourras certainement ». Plusieurs manières sont utilisées de traduire cette insistance sur une mort définitive. Et c'est la raison pour laquelle Ève dit « Non, on ne mange pas de ça. » Mais le diable continue « Mais non, non. »
et lui propose des avantages par rapport à ça. Verset 4, « Vous ne mourrez point, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. » Alors, vous avez peut-être dans vos Bibles un petit dé à Dieu. Oui, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Dans la mienne, ils ont mis un D majuscule, parce que c'est le mot « Elohim ». Et Elohim est un pluriel. Ouais. Et ce mot Elohim est utilisé dans la Bible pour parler de Dieu, mais aussi pour parler de tous les faux dieux qui peuvent exister et que les hommes ont inventés, des statues de pierre, etc. Mais dans le contexte de la Genèse, il n'y a pas encore tout ça. Non. Donc le Elohim ne peut désigner que Yahweh. Ouais. Raison pour laquelle le mensonge ici de Satan est d'autant plus fort. Et il est en train, en réalité, de vouloir embarquer dans sa révolte l'être humain, parce que lui, il a déjà dit « Je veux être Dieu ». C'est ça, il semble les tenter avec sa propre convoitise, qui était vraiment ce qu'il voulait lui-même obtenir. C'est ça. Ben oui. Vous serez comme Dieu, si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, si vous faites ce que je vous dis. Alors, la suite est catastrophique. Il nous est dit que la femme a vu que l'arbre était bon à manger, qu'il était précieux, qu'il était convoitable. Elle a pris du fruit et en a donné à Adam. Et puis après, j'aimerais qu'on regarde le texte. Oui, une question. Dieu présente cet arbre-là, lorsqu'il le présente à Adam et Ève, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan en parle de la même façon, connaissant le bien et le mal. Adam et Ève connaissaient le bien, c'est le mal qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Et c'est ça que Satan vient leur présenter. Oui. Comme étant quelque chose de désirable. Une plus-value. Et qui te manque. Hein? Alors que ça amène que le malheur. Le mal, le malheur. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça leur a été présenté comme étant quelque chose de convoitable. Oui. Quelque chose de bien. Un bonus. De souhaitable. Ouais. Oui. Quelque chose qu'ils n'ont pas, que Dieu leur a caché, que Dieu ne leur a pas donné, et qu'il faut qu'ils aient. Ouais. C'est encore ça qui est... C'est encore malheureusement comme ça qu'est présenté le mal souvent aujourd'hui. Oui, hein? Oui. Parlez à un fumeur. On lui dit, mais si tu continues à fumer, tu as bien des chances d'attraper le cancer. Il dit, qu'est-ce que tu en sais? Tu fumes pas, toi. Alors, est-ce que j'ai besoin de moi fumer pour être sûr qu'on attrape le cancer? Non. Est-ce que j'ai besoin de connaître le mal pour savoir que le mal existe? Non. Dieu a dit, touche pas, tu meurs. Donc, même s'il n'a pas fait l'expérience en lui de la dégradation du mal, Dieu lui a dit, la mort, c'est la conséquence de la désobéissance. Je n'ai pas besoin de vivre la désobéissance pour être sûr que le mal existe. Non, c'est ça. N'est-ce pas? Et les dégâts sont immédiats. Alain, tu voudrais nous lire le verset 7 et 8, s'il te plaît. Genèse chapitre 3. Okay. Genèse chapitre 3, versets 7 et 8. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Merci. Alors, depuis quand est-ce que Adam et Ève ont peur de Dieu? Non, depuis maintenant. Ils étaient avec Dieu avant, ils se promenaient avec lui dans le jardin, ils parlaient avec lui. C'est ça. Tout d'un coup, panique, ils ont peur. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui a été cassé. Et vous avez remarqué, il y a ici quelque chose d'assez extraordinaire. Ils essaient de résoudre leur problème. En cachant, en cousant des feuilles. Alors, ils vont prendre des feuilles, ça devait être des fameuses feuilles, hein? Ouais. Des grosses feuilles. Hein. Alors, ils ont fait de la couture et ils se sont fait avec ça des ceintures pour se cacher parce qu'ils ont trouvé qu'ils étaient nus. Ouais. Vous pensez que ça va tenir combien de temps leur affaire? Ouais. Ça va user, oui. Essayez de vous faire des maillots de bain avec des feuilles. Ouais. Hein? Ça, c'est spécial. Hein? Oui, oui. C'est spécial.
Ça, c'est la solution qu'ils ont trouvée, eux. Ouais. Alors, j'aimerais juste, avant de continuer, ouvrir une petite parenthèse qui nous ouvre la perspective d'avenir. Tourner une page, aller au chapitre, non encore le même chapitre, au verset 21. Chani, si tu veux nous lire le verset 21, il est extrêmement symptomatique. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ah! L'histoire des feuilles, là, ça n'a pas tenu le coup longtemps. Non. Dieu a donc décidé de leur donner des vêtements en peau. Mais comment est-ce que c'est possible, ça? On prend la peau sur un agneau, sur un animal. On prend l'agneau sur un animal. Okay. Autrement dit, Dieu a fait le premier sacrifice pour couvrir Adam et Ève, qui étaient maintenant des pécheurs. Ouais. Et on retrouve dans toute l'Écriture, par exemple dans Ésaïe 61, au verset 10, on ne va pas prendre le temps de lire le texte, cette notion de couvrir le péché, de pardonner le péché. Et les sacrifices que Dieu va demander à Adam et Ève et à son peuple d'accomplir dans la suite des temps, vont être destinés à couvrir le péché, à obtenir le pardon du péché. Mais qui a fait le premier sacrifice? C'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'une lecture rapide de quelqu'un qui lit ça, puis va dire, bon, des habits de peau, on ne mentionne pas le sacrifice en tant que tel. Non. Mais on ne peut pas aller chercher la peau d'un animal pour en faire un vêtement sans le tuer d'abord. C'est vraiment ça qui s'est passé. Là. Et c'est Dieu qui fait le vêtement. Ouais. C'est Dieu qui apporte la solution. Parce que la solution humaine, salue par les œuvres, ne mène à rien. Il faudra que la solution soit apportée par Dieu lui-même. Ouais. Alors, je reviens un petit peu en arrière où on était tout à l'heure. Adam et Ève se cachent et puis Dieu vient leur parler. Tu pourrais nous lire, s'il te plaît, le verset 9 et 10, chapitre 3 toujours. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà. Dieu cherche l'homme. Mais est-ce qu'il ne savait pas où il était? Certainement. Où es-tu? Où es-tu? En fait, encore aujourd'hui, c'est Dieu qui nous cherche. Beaucoup plus que c'est nous qui cherchons Dieu. Dieu nous cherche, il dit, où es-tu? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dieu n'arrive pas avec la foudre en foudroyant Adam et Ève tout de suite en leur disant, vous avez péché, c'est fini. Ils n'étaient pas aussi proches de Dieu que Satan. Ils ont été trompés dans leurs affaires. Alors Dieu s'approche, il dit, où es-tu? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu en es? Et il dit, ah, je suis nu, je me suis caché. Et Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que par hasard t'as mangé de l'arbre? Je t'avais dit qu'il ne faut pas manger. Ah non, 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 j'ai pas mangé de l'arbre. C'est la femme que tu m'as donnée qui... Autrement dit... C'est ta faute. C'est la faute de ma femme. C'est la faute de ma femme. Et puis la femme a dit, ah non, 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 moi, c'est le serpent. Et qui c'est qui a fait le serpent? C'est toi. C'est une créature. Ouais, ouais. Alors, il y a plusieurs choses qui sont cassées ici. D'abord, ils voient qu'ils sont nus, oui. Culpabilité. Deuxièmement, Adam aime tellement sa femme qu'il a fait ce que sa femme lui a dit de faire. Mais quand tout d'un coup, ça ne va pas, ah non, moi, j'y suis pour rien. Ah oui. C'est elle. Est-ce que vous voyez encore de l'amour là-dedans? L'amour qui existait là a disparu. Oui. Quel amour est-ce que Adam a pour remettre la faute sur sa femme pour que ce soit elle qui prenne les coups et pas lui? C'est ça. Alors qu'un peu plus tôt, il l'a présenté comme « chair de ma chair, sang de mon sang ». Exactement. Alors, la culpabilité est arrivée, l'amour a disparu et la mort arrive. Juste après, au chapitre 4, on a en réalité ici l'histoire de Caïn et Abel, où le premier homme qui va naître sur la terre est un meurtrier. Tiens. On a déjà vu ça quelque part. Et va tuer son frère. C'est la dégradation immédiate par rapport au péché qui arrive ici. On voit dans cette conversation avec Dieu, en fait,
une image de jugement aussi. Dieu pose des questions. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait ça. Et il va donner la condamnation. Mais le péché, comme je conçois, comme je comprends, n'est pas seulement le fait d'avoir mangé la pomme, c'est non. la désobéissance, oui. mais qui s'est poursuivie c'est aussi ça. Par la suite. C'est ça. Qui ont attaché... Et c'est la désobéissance, la pomme, comme on l'appelle, ouais, la pomme, que soit le fruit en question, fruit, ouais. Ça c'est le symptôme, parce qu'en réalité, Ève a péché avant même de croquer la pomme. Elle a péché à partir du moment où elle a accepté les trois mensonges de l'ennemi et s'est dit, c'est une bonne affaire. C'est la rébellion, c'est... C'est ça. Et en réalité, elle a coupé le contact avec Dieu, ouais. elle a rebranché avec Satan ouais. pour récupérer ce que Satan proposait. Donc la désobéissance... C'est en réalité un acte de rébellion qui sépare de Dieu oui. parce qu'on obéit à celui qui est notre maître. Il y a un texte que j'aimerais regarder avec vous là-dessus. Alors, ce texte qui explique ce qui s'est passé au Jardin d'Éden se trouve dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. C'est le verset 16. Romains, chapitre 6, verset 16. Tu veux nous lire ça, Alain, s'il te oui. plaît? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Merci. Mm-hmm. Vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Mm. Adam et Ève sont devenus esclaves de Satan parce qu'ils ont coupé leur relation avec Dieu et ils l'ont créé avec Satan. Le problème, c'est que Satan n'a plus la vie. Il n'a pas la vie en lui-même. Non. Par conséquent, on retrouve ce texte qui est aussi dans Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. La Alors, il y a quelque chose, parce que... Dieu avait dit, le jour où vous en mangez, vous mourrez. Vous mourrez. Ils en ont mangé, est-ce qu'ils sont morts? Non. Alors j'imagine que Satan avait beau jeu, dit, regarde, Dieu t'avait dit que tu allais mourir le jour où tu allais en manger, regarde, tu es encore là. Dieu avait menti. Ouais. Mais quand vous y pensez, c'est pas exactement comme ça. J'ai réalisé ça un jour quand j'étais en Afrique, dans mon bureau, j'avais un ventilateur, parce qu'il faisait chaud. Si vous avez un ventilateur qui tourne et que vous débranchez le ventilateur, comment est-ce qu'il va s'arrêter? Doucement. Il va continuer à tourner. Graduellement. Graduellement, jusqu'à ce que finalement, il s'arrête. Mm-hmm. Mais à partir du moment où vous débranchez, il n'y a plus de puissance d'une part pour le faire vivre, pour le faire avancer. Mm. Il est déjà mort. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous mettez la main, vous pouvez l'attraper. Il n'y a aucune résistance. Mmh. Adam et Ève sont encore vivants, comme le ventilateur est encore en train de tourner, jusqu'à ce que ça s'arrête. Mmh. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Ah. Et effectivement, à partir du moment où ils se sont rebellés de la même manière que Satan contre Dieu, ils ont débranché d'avec Dieu, ils ont rebranché avec Satan, mais il n'y a pas de courant là-dedans. Donc ils n'ont plus... La force vitale que Dieu donne, c'est la mort. De là la condamnation de Satan aussi. Exactement. Aussi a débranché avec Dieu. Tout à fait. J'en reviens alors à la conversation que Adam et Ève ont avec Dieu. Et dans cette conversation qui est un jugement, il va y avoir la condamnation, mais il va y avoir aussi la promesse. On va la regarder avant la condamnation. Dans Genèse chapitre 3, au verset 15. Tu veux nous lire, Chani, le verset 15, s'il te plaît? Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Merci. Alors, il y a là un message prophétique, véritablement. Il y a guerre entre toi et la femme.
entre ta postérité et sa postérité, il parle au serpent. Et il y a ici quelque chose de curieux, c'est qu'il y a une faute de grammaire dans ce texte. Parce que dans la version que tu as lue, il est dit « celle-ci t'écrasera la tête ». Mais celle-ci ferait référence à quoi ? À la postérité. Qui est ? Jésus. Jésus, mais qui est un nom en féminin aussi. Alors que le texte « t'écrasera », dans le texte original, il est au masculin. Il t'écrasera la tête. Donc la postérité, c'est il, c'est pas elle. La postérité, c'est il. Parce que c'est au masculin, il t'écrasera la tête. Référence évidemment à celui qui va écraser la tête du serpent, Jésus, qui va là mettre fin et obtenir la victoire sur le serpent. Cependant, il va être blessé. Cette blessure, Jésus qui va mourir sur la croix. Il y a donc ici, dans le verset 15, toute la perspective du plan du salut qui se développe, en plus de cette histoire de vêtements qu'on a vue tout à l'heure. La condamnation, maintenant, on va la voir au verset 19, si tu veux nous lire ça. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Merci. Malheureusement, dès les premiers chapitres de l'histoire de l'humanité, on a déjà la mort qui arrive. Tu retourneras dans la poussière. Tu étais poussière, c'est là que tu vas retourner. La condamnation va arriver, la peine, la souffrance, la douleur, toutes ces choses que nous sommes en train de voir et qui constituent la condition humaine actuelle. Mais dès les premières pages, on a déjà cette fenêtre qui s'ouvre, que Dieu ouvre lui-même en disant « il y a moyen d'en sortir ». Et ça, c'est la bienheureuse espérance qu'on a en tant que chrétien. Même si le péché et la mort interviennent, il y a une issue de secours. Alors j'aimerais regarder avec vous quelques textes quand même dans le Nouveau Testament qui vont compléter ce parcours sur l'origine du mal. Romains chapitre 5, au verset 12, qu'est-ce qui est écrit ? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà, et la phrase ne s'arrête pas, elle continue beaucoup plus loin. Tous ont péché. Donc tous sont condamnés à mort. Si vous revenez une page en arrière, au chapitre 3, toujours dans l'Épître aux Romains, on a la même chose au verset 23. Si tu veux le lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a la même chose au verset 10 du même chapitre. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Autrement dit, la coupure qui s'est faite dans le jardin d'Éden à ses conséquences pour tous les êtres humains. Revenez un instant dans Genèse, au chapitre 3. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le péché originel ? Alors, pas au chapitre 3, pardon, au chapitre 5. Alors, on va lire le chapitre, on va lire le verset, puis on va regarder ça. Ok. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire au chapitre 5 de la Genèse les versets 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Merci. Vous voyez la différence ? Oui, oui, oui. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Maintenant, Adam, âgé de 130 ans, a un fils à son image. À sa ressemblance à lui. Ressemblance. Autrement dit, porteur du virus du péché. Autrement dit, tous ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à nous ne pouvaient plus transmettre la ressemblance. Ont transmis le virus. Le virus du péché. Ça. Donc tous les êtres humains ont péché, tous sont dans la même situation, on est tous dans le même bateau, on est autrement dit tous condamnés à mort. Oui.
Oui. Oui. Et ça, c'est la réalité qu'il faut regarder en face. Et on regardera la notion de péché un petit peu plus clairement la prochaine fois. Mais c'est le problème que nous avons. C'est peut-être un exemple imparfait, là, mais moi, je fais beaucoup de photocopies dans la vie. Là, puis quand tu fais une photocopie d'une photocopie, puis ensuite que tu prends la nouvelle photocopie pour en faire une autre, ouais, c'est pas long que la qualité est vraiment détériorée. Là. Ouais. C'est une très bonne image, c'est exactement ça. Alors, t'imagines la photocopie de copie de copie de copie que je suis? On arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Mm-hmm. C'est très juste, c'est exactement ça. On va revenir dans l'Épître aux Romains, on était tout à l'heure. Romains chapitre 6. On a là ce texte qui contient le problème et la solution. C'est le verset 23. Janie, si tu veux bien nous lire le verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, on a les deux ensemble. Le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Mais comment est-ce qu'un don peut être autrement que gratuit? C'est non, insiste. Il peut pas. Ça insiste, hein? Oui, je ouais. Des fois que vous n'ayez pas compris que le don de Dieu, il est gratuit. Ouais. Ce don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors là encore, quand on compare les deux, on se dit, mais c'est absolument ridicule. La mort après quelques années de vie, ou la vie qui finit jamais? Ben écoutez, moi c'est vite choisi, hein. La vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas de sentence intermédiaire. C'est l'un ou l'autre. Ben moi j'ai fait mon choix. Est-ce que nous avons fait notre choix? Est-ce que le choix est fait? Ou est-ce qu'on est en train de se dire, finalement, qu'est-ce que je préfère dans tout ça? Oui, oui. C'est juste pas comparable. Alors, on ne va pas rentrer dans la solution tout de suite. Il y a un certain nombre de choses qu'on va regarder encore, comprendre comment la mort fonctionne, être bien convaincu et clair bibliquement de l'état dans lequel nous sommes. Mais si je ne comprends pas l'état gravissime dans lequel je suis, je ne vais pas être terriblement motivé pour le médicament. Non, c'est ça. Si je ne reconnais pas que je suis malade d'une maladie mortelle, vous n'allez pas réussir à m'envoyer chez le médecin. Non. Et je ne serai pas motivé pour prendre les remèdes. Mais j'ai besoin de comprendre à quel point la maladie que j'ai, reçue, est une maladie fatale. Ouais. Mais si c'est fatal, moi, j'ai pas envie de mourir. Parce qu'on me propose la vie qui ne finit pas. Il faudra donc que je sois conscient que je suis un mort vivant pour comprendre que j'ai besoin d'une guérison, d'une restauration pour avoir la vie éternelle. On apprend dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, que cette perspective s'étend dans le temps. Ici, dans Jean, chapitre 5, au verset 29, il y a la perspective finale qui est résumée dans ce passage. Alain, si tu veux bien nous le lire. Oui. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà. Il y a les deux. C'est l'un ou l'autre. Et il n'y a pas de voie intermédiaire. N'est-ce pas? On apprend juste après, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, que c'est Jésus qui nous juge. Et il est dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Il y a donc là la perspective de la résurrection, de la vie éternelle. Mais il nous dit, il n'y a que deux choix. La vie ou la mort. En étudiant nos passages bibliques, en étudiant les thèmes bibliques, on va comprendre à quel point la mort est plus terrible que ce qu'on imagine, encore que elle est terrible pour ceux qui la voient sous leurs yeux, mais
pour ceux qui n'ont pas d'espérance, elle est une fin terminée. Pour reprendre l'analogie, un don gratuit, une fin finale. Une fin finale, ouais. Voilà, c'est ça. Exact, exact. Mais on apprend aussi une chose dans l'Ancien Testament, c'est que ce problème, lorsqu'il va être résolu, il va être résolu une fois pour toutes. Une fois pour toutes. On va regarder ce texte dans le livre de Nahum. Alors, on va essayer de le trouver. C'est au fond de l'Ancien Testament. Nahum, un petit prophète, oui. Parmi les 12 petits prophètes qui sont à la fin de l'Ancien Testament, petit pas parce qu'il est petit en taille, mais petit par le texte qui est court. On va commencer par, on va lire deux passages là-dedans. D'abord le verset 7 au chapitre 1. Verset 7 au chapitre 1, si tu veux nous lire ça. Il est écrit, « L'Éternel est bon ». Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Merci. Mais on va lire aussi le verset 9 et 10, s'il te plaît. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois, car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme de la paille sèche entièrement. Merci. D'un côté, Dieu est bon. Il est un refuge pour ceux qui vont le chercher, qui se confient en lui. Mais il nous est dit que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Parce que ceux qui se sont livrés à la révolte contre Dieu, c'est-à-dire qui ont voulu être Dieu eux-mêmes, seront comme la paille qui sera consumée entièrement. Donc ce n'est pas une histoire... Comme parfois on le comprend, on dit « Ah ben l'histoire se renouvelle, la roue tourne mmh. ». Dans les philosophies païennes, le temps est cyclique et souvent représenté par la roue qui tourne. Et ça, c'est une image païenne, ce n'est pas une image biblique. L'image biblique du temps, c'est une ligne. Et le temps ne revient pas en arrière. Les hommes vont peut-être reproduire les bêtises faites par leurs ancêtres. Mmh. Mais le temps ne revient pas en arrière. Le temps est prophétique, le temps avance. Il y a un commencement et il y a une fin. Et nous sommes dans ce temps-là. Et Dieu nous dit à l'avance, la fin, ce sera une bonne nouvelle. Et ce ne sera pas une roue qui va repartir avec une deuxième révolte, avec une deuxième catastrophe. C'est ça. Ce sera une solution définitive. Et je m'en réjouis parce que si le Seigneur nous propose la vie éternelle sans péché, et que tout d'un coup, ça recommence. Ce n'est pas la vie éternelle, ça. La révolte, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Et on se réjouit de ça. On se réjouit de ça parce que dans l'Apocalypse au chapitre 21, on a justement ce moment glorieux de la fin où Dieu fait toute chose nouvelle. Apocalypse chapitre 21. Alain, si tu veux bien nous lire le verset 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fantastique. Amen. Dieu dit, voilà, on va refaire toute chose nouvelle. Et vous avez remarqué dans ce passage, à plusieurs reprises dans ce court passage, il est dit, Dieu lui-même sera avec eux, oui. Avec les hommes. Oui. On va donc retrouver ce que Adam et Ève ont perdu au début. Dieu ne fera plus peur à personne, parce que c'est lui qui va donner la vie. On va retrouver cette communion, cette complicité entre l'homme et Dieu, parce que Dieu et l'être humain seront ensemble.
On aura raccroché avec Dieu, on aura rebranché notre prise de courant sur la source de vie. Ça semble être tellement positif, alors que le mot apocalypse est tellement associé des fois à, oui. à des catastrophes, à un désastre, et pourtant, c'est, on découvre maintenant que c'est tout autre réalité. C'est tout autre que ça. Que veut dire apocalypse, d'ailleurs? Est-ce que vous vous souvenez ce que veut dire apocalypse? Oui, révélation. Révélation. C'est le premier mot du livre. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Les Anglais ont gardé le mot révélation. Nous, on a pris le mot grec, apocalypse. Mais le texte de l'Apocalypse commence en disant « révélation de Jésus-Christ ». Oui. C'est Apocalypse 1, verset 1. Donc, l'Apocalypse n'est pas le récit de catastrophe épouvantable. L'Apocalypse, c'est la révélation de ce que Jésus fait pour sauver ceux qu'il aime. Et il est mort pour les sauver. Les catastrophes, écoutez, dans un sens, c'est pas si grave. Parce qu'elles seront destinées à détruire le mal. Et quand Dieu détruit le mal, il fait le bien. Parce que si l'on veut que le bien soit l'unique qui règne en Dieu, il faut que tout le mal, dans sa totalité, disparaisse. Alors, lorsque Dieu détruit le mal, Dieu ne fait pas le mal. Dieu qui détruit le mal fait le bien. Et comment est-ce qu'il fait le bien? En prenant notre place. Jésus va mourir à notre place. Révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de ce que Dieu fait à la fin pour restaurer ce que nous avons perdu et que nous ne méritons pas. Mmh. Mais il le fait, et le texte que nous avons lu continue en disant « Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Nous pouvons avoir l'assurance que lorsque Dieu fait une promesse, il va l'accomplir. Quand, parfois on est impatient, parfois ça prend plus de temps qu'on voudrait, parfois on se demande si vraiment il va l'accomplir. Mais la parole prophétique dans les Écritures, que ce soit le livre de Daniel ou l'Apocalypse, nous montre que Dieu accomplit toujours sa promesse. Parfois au dernier moment, vous l'avez peut-être vu dans votre vie aussi. Mais Dieu accomplit toujours sa promesse. Alors on voit d'où vient le mal, on se rend compte qu'il est en nous. On va regarder comment ce mal s'exprime en nous par le péché la prochaine fois. On va étudier ce que c'est selon les Écritures. Et le péché que l'on a vu au début, pour répondre à ta question, je ne vais pas l'appeler le péché originel. Parce que l'expression péché originel est teintée de tout un tas de messages qui sortent de la tradition et pas des Écritures. Je n'ai pas employé l'expression, justement, à dessein, mais si on veut parler de ça, on peut parler du péché des origines. Pour ne pas colorer cette notion d'un christianisme traditionnel qui n'est pas nécessairement conforme aux Écritures. Est-ce que c'est un folklore qui s'est rattaché à ça? Alors, il y a toutes sortes de choses qui se sont rattachées à ça, qui sont absolument pas bibliques, qui sont de la légende, qui sont de l'incohérence et qui sont devenues tellement bizarres que beaucoup de gens considèrent que l'histoire d'Adam et Ève, c'est une légende, c'est une histoire fabriquée. Non, enlevons de cette histoire tout ce que la tradition non biblique y a mise et on a une histoire réelle qui est aussi notre histoire. Parce que l'histoire du chapitre 2 et 3 qu'on a regardé, c'est l'histoire de Dieu qui sauve. Beaucoup plus que l'histoire d'Adam et Ève qui tombent. C'est l'histoire de Dieu qui sauve. Donc il faut débarrasser le texte biblique et les récits authentiques bibliques de toutes les légendes, de toutes les traditions qui y ont été collées pour leur redonner le sens originel, leur sens biblique et comprendre que tous ces événements réels coïncident les uns avec les autres, parlent les uns aux autres. Ils ont été sélectionnés par l'inspiration de Dieu parce qu'ils sont dans l'histoire des événements significatifs, c'est-à-dire des événements qui enseignent quelque chose de la part de Dieu. Il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas racontées ici, parce qu'elles ne portent pas
ce message significatif de nous faire comprendre comment Dieu veut nous sauver en Jésus-Christ. Je fais toute chose nouvelle. Je me réjouis que ce soit bientôt. Amen. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta promesse. Et quand nous voyons dans les Écritures tes promesses se réaliser, toutes en leur temps, nous voulons aussi nous accepter cette promesse, sachant qu'elle se réalisera dans ton temps. En attendant, Seigneur, qu'elle se réalise, nous avons hâte. Mais nous te prions de trouver en nous des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui t'aiment parce que tu as tout fait pour nous sauver. Pour cette promesse, Seigneur, nous te louons et nous te remercions au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci à toi. Merci.